Et bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. C'est Igloo de Game Forever, donc pour une petite vidéo d'une heure, 1 heure et demie à peu près sur Warframe. Et cette fois-ci, on est 4, au lieu d'être 2 par rapport à la dernière fois. Donc je vais présenter tout le monde. Déjà, on va présenter le plus connu de tous, Twinsen. Salut Twinsen! Bonsoir à tous. Donc un membre de Game Forever aussi. Ils sont tous membres de Game Forever hein, pour être précis. Il y a aussi donc Kristendal. Bonsoir. Et Nekominu, Miyu, excuse-moi. Salut, salut. Salut, salut, Oui, bonsoir, bonsoir, ça bonsoir passe. tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, déjà je vais les inviter dans mon orbiteur magnifique. Je pense que tout le monde doit voir. Oh putain, magnifique. Ça va se discuter, je sens. Ah, la couleur verte c'était primordial. Tu vois, il y Bon, en a quand même, deux faudrait sobres, ils n'ont rien touché. Et puis, il faudrait y quand en même a deux, là, féliciter. ils sont partis dans un vert jaune bien Faudrait quand dégueu. même féliciter quand même les développeurs pour faire un truc, faire bouger les vaisseaux comme si c'était complètement bourré, quoi. Oula! C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont un peu bourrés, hein, les vaisseaux. Première vidéo de l'histoire de la toute nouvelle chaîne à 4, hein, quand même. C'est vrai que c'est à 4, c'est. Alors là, on va essayer de pas trop se parler, on va essayer de pas trop se couper. Mais bon, après tout, ça va être assez spontané comme vidéo, je pense. Les gens sont en fait. Parce que faut le dire aux gens, on a préparé ça, mais sans préparer. Voilà. Donc, on va. Après, voilà, Kristendal, tu vas peut-être en parler un peu plus que moi pour le coup. Parce que toi, tu as joué avant que le jeu se transforme, on va dire. Je sais pas combien t'as d'heures de jeu au total sur le game. Ah, je sais pas trop. J'ai pas mal joué, mais après, c'est Parce que toi, tu peut-être as une joué à la centaine sortie quand même. d'heures, mais c'était à la sortie, donc après, Ouais, il y avait beaucoup moins c'est de pas trucs. représentatif Ouais. de. C'est pas représentatif. Moi, je montais mes frames, je montais les armes, mais on pouvait pas faire grand-chose. Je refaisais toujours les mêmes missions, en fait, même. D'accord. Que Donc, en voilà, même temps, la c'est mode intéressant de voir survie. aussi 4 ans plus tard ce que le jeu est devenu aussi. Hein. Alors oui, Oui, c'est vrai que le petite jeu, il a bien présentation, changé, j'avais hein. déjà fait la première fois, mais je pense que Kristendal t'étais pas là et Neko non plus. Je vous présente mon chien de l'espace, Benalla. Il est magnifique, dégueulasse. Alors, non, il faut citer les gens comme ils se doivent. Est-ce que lui a fait Putain, son sport international? je suis coincé en méditation, alors, en Alors oui, position du c'est normal, en fait, il lotus. faut revenir comme t'as fait. Pour être en méditation, pour revenir, on va dire. Ah oui, putain, la vache, ouais. D'accord. Pour tout dire, ça fait tellement longtemps, parce que voilà, on a fait une vidéo donc il y a à peu près 2 mois. Là, on a refait, j'ai pas eu le temps de jouer en fait, pour tout vous dire. J'ai eu d'autres jeux à faire, d'autres choses à faire aussi dans ma vie. Et je me souviens même plus comment on fait des émoticônes. Ah putain, mais pas Pareil. les émoticônes. Alors Ouais. c'est la croix du bas. Après vous faites Ah R1. oui, merci. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et ensuite avec le stick gauche, parce que vous pouvez lâcher la croix du bas, vous Ah, ouais, tout choisissez à fait, votre. ouais. Voilà. Il y a quand même Je des trucs médite qui tout ça. s'appellent. Il y a des trucs qui s'appellent Narta, hein. Fraîcheur Narta quand même. Hein. Alors, juste Quoi? pour Oui. Putain, rapidement, ouais. bon, même ça va être compliqué de voir tous les personnages en action, parce que ça va être un jeu que, pour ceux qui connaissent pas, Warframe est donc un MMO action RPG, un free to play donc où tout le jeu est entièrement gratuit. Hein. Alors bien sûr il y a quelques trucs à acheter comme tout ce qui va être couleurs ou fringues spécifiques, mais sinon tout le jeu est gratuit. Juste pour présenter très rapidement les frames, on a donc deux personnages, donc Neko et Twinsen qui utilisent la frame Excalibur. Qui on va dire la frame de base, que tout le monde commence par ça, elle est facile à manier, elle est puissante, beaucoup d'attaques au corps à corps. Alors par contre je connais pas trop Nyx, tu peux rapidement la présenter peut-être, Kristendal? Ah, je commence juste. Ouais, manouer J'ai des pas pouvoirs, mal si tu monté veux, là, mais ouais. après c'est pas mal parce que j'ai l'un, tu comment dire, tu ça te permet d'envoûter les ennemis
Et où du coup, t'as deux types d'attaques qui sont sympas. T'en as une où ça te chope 3 ou 4 ennemis, et au final, ils se battent avec toi. Et autrement, tu peux, comment dire, envoûter un seul ennemi, mais où, comment dire, là, c'est plus de l'aggro où il se met devant toi, et du coup, les ennemis sont un peu bloqués, ce qui te permet de les dégommer plus facilement, quoi. Et D'accord. autrement, il y a une sorte, pareil, il y a une sorte de truc où tu te concentres, du coup, les ennemis t'attaquent sans te tuer, et après, quand l'attaque est terminée, ça fait une sorte de grosse explosion. Qui va détruire tous les ennemis, quoi. D'accord. Moi donc j'ai la frame qui s'appelle Frost, donc que j'ai débloqué ben, juste avant d'arrêter le jeu pendant 2 mois presque. Donc spécialisé dans la glace, et on va dire qui est spécialisé dans le contrôle des foules un peu, avec surtout sa boule de neige qui permet un peu de ralentir un peu tout le monde. Voilà. Alors par contre j'ai vu qu'il y a des messages sur le chat. Je suis désolé, j'ai eu un petit bug avec mon application Twitch. Oui, Donc c'est Aikikush, un des derniers membres de Game Forever, qui nous a d'accord. balancé un beau message caca pipi, comme il sait si bien faire. Ah bah nickel, parfait. Mais il faut cette ambiance de toute façon dans le vaisseau. Moi c'est l'ambiance papa n'importe quoi. Pipi caca. Non, donc voilà. Donc salutations Aikikush, bienvenue. Allez bah écoute, je te laisserai peut-être gérer le chat rapidement. Ça te dérange pas Twinsense, parce que moi mon application elle est quasiment morte en fait. Ouais, pas de soucis, vas-y lance. Allez, alors on va faire une quête. Alors du fait que voilà, Twinsen et Neko n'ont pas beaucoup joué au jeu, on va faire des quêtes assez simples, mais sympathiques. Hein. Je balance pas, attention, hein, je suis pas genre de type. Attendez, je cherche juste une mission qui peut être sympa. Regarde-moi les deux coups de rêve derrière, là, qui font n'importe quoi. Voilà, c'est parti. Une mission donc sur Vénus qui est la deuxième. Planète du jeu, et on va faire donc une mission de défense qui fait donc des vagues d'ennemis qui arrivent, et il faut protéger. Qui a pas voté, là et là, donc appuyez tous sur start et mettez oui, s'il vous plaît, pour que la mission se lance. Ah, oui, ok, ouais, ok, cool. Et on est parti. Allez, let's go. Pas réussi. Alors, c'est une mission assez simple, ouais. mais intéressante. Ah, bah, c'est Regardez-moi ça, les 4 handicapés. C'est à voir, à voir, à voir. Christendal, toi, t'es allé jusqu'où au niveau des planètes là? J'en ai fait pas mal après que j'ai complété entièrement, ou ouais. Je dois en avoir deux que j'ai complété entièrement, et après là je jouais sur toutes les planètes, Saturne, Jupiter, Neptune. Je peux y accéder, mais pas de partout, quoi, en fait. Ouais. Et puis le niveau, quand ça va être compliqué, en plus, il faut des modes spécifiques après. Ah, elle a changé un peu la map, elle était pas comme ça moi quand je l'ai faite plusieurs fois. C'est plutôt cool. Hein. Donc du coup là, on est dans une mission un peu équivalente à ce qui était proposé dans la série des Gears of War, dans les épisodes 2 et 3. Vous aviez le mode Horde, bah là c'est pareil, c'est un siège en fait, on doit surveiller, enfin protéger l'espèce de sarcophage qui est au centre face à c'est des ça. Vagues d'ennemis qui arrivent de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus puissantes. Et... L'idée c'est de survivre par. Enfin, il faut arriver à atteindre. Survivre aux vagues par vague de 5, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça Donc là, par vague de 5, on peut essayer, franchement, vu qu'on est plusieurs et que le niveau est pas encore très élevé, d'atteindre peut-être le level 15, ça pourrait être sympa. Ça fait une bonne partie, level 15. Ouais. On verra comment se débrouille. Hein. Parce que je dis ça, mais moi je fais mon level 6 dégueulasse. Ça va permettre de voir aussi les mecs qui ont des hauts levels mais qui savent pas jouer, et de ceux qui ont des petits levels mais qui savent jouer. Ça, ça dépend des armes qu'on a aussi. Hein. Toi, moi je suis avec mon level 6, mais là je suis avec une arme level 30 parce que j'ai pas encore de nouvelle arme. Qui commence déjà à chercher des muscles. Non, mais ouais. Petite chose aussi à savoir, c'est qu'en effet, les missions donc sont adaptives. Ce qui veut dire qu'on est 4, donc il va y avoir beaucoup. Adaptatif, merci. Et donc, il y aura beaucoup plus de d'ennemis que quand vous jouez par exemple tout seul cette mission, quoi. D'accord. Ouais, donc en fait, on va se faire rocher comme des bourrins, quoi. Voilà. Ah, j'en suis pas sûr. Pour inviter deux vieux Grigou, les deux frères Mario du site, qui sont sur Switch, à essayer le jeu, vu qu'il arrive sur Switch. Hein, petite spéciale dédicace à Jumpman et Bombex, hein, pour nous rejoindre un jour.
Je sais pas si le jeu est fait du crossplay, mais bon, au moins il pourrait l'essayer. Non, pas de crossplay. Pas de crossplay. Donc, saison, c'est niveau sur Switch, non. C'est impossible. Bah écoute, ils devront faire leur contre-vidéo alors. C'est ça. Pourquoi la version Switch est meilleure? Pourquoi Nintendo sont les meilleurs du monde? Voilà. Donc là, pour le moment, ça t'en chérie. Alors, j'ai débloqué des pouvoirs. On verra plus tard. C'est pas grave. Remarquez qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le même niveau de HP les uns les autres. Hein. Ouais, tout à fait. Oh, je les verre pas trop mal quand même avec les 364. Quel homme de talent. J'en profite aussi pour signaler qu'on va bientôt lancer une campagne Litchi pour financer des avis de Neko News, vu qu'il apparemment il est en grève, en grève d'avis depuis un certain temps. Alors cette manque d'inspiration, c'est le problème de la page blanche, c'est terrible pour les plus grands auteurs du monde. Et oh, je suis occupé, c'est du boulot. Alors est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce qui est en train de se dérouler, mon cher Ilou? Alors là ouais, c'est un sacré bordel. Alors différentes choses, on peut voir donc que les ennemis lâchent des munitions de type sur différentes selon si vous avez l'arme principale, une arme sniper, une arme de fusée à pompe, etc. Et il lâche aussi des petites, on peut voir des choses bleues, en fait, qui correspondent en fait, au pouvoir. En fait, chaque frame a ses propres pouvoirs, c'est pour ça que tout à l'heure on a fait un peu le point par rapport à ça. Et donc c'est pas mal de rejouabilité, donc à chaque fois qu'on a une nouvelle frame, donc qui sont les armures du jeu, de pouvoir relancer un peu l'intérêt du gameplay. Puisque le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est comme je dis, il est gratuit, par contre ça reste un jeu à farm, ça veut dire qu'il faut avoir joué beaucoup, beaucoup, beaucoup si on veut avancer très loin dans le jeu. Justement, Christendal, est-ce que toi t'as pu avoir accès au scénario du jeu? Au vrai scénario, à l'histoire du jeu, vraiment avec un vrai scénario, des cinématiques. Non, j'ai pas assez joué malheureusement. D'accord. Ok, moi je sens ça que je suis pas plus arrivé. Vous avez joué combien de temps à peu près tous les deux là pour avoir une. Ah, moi vraiment beaucoup moins que Christendal, parce que moi je suis à 35 heures. De jeu. Ah oui, c'est quand même à 35 heures. Ouais, en deux semaines, mais après j'ai abandonné. J'avais d'autres jeux à faire. Mais pourquoi dormir la nuit, c'est tellement surfait. Mais bien sûr. Les 35 heures, ça reste raisonnable. Hein. Ouais, ça reste raisonnable, je trouve aussi en deux semaines, ça va quoi. Ouais, franchement, c'est pas énervé. Hein. Ouais. Tout se discute, hein. Demande à Inker 35 heures en deux semaines, si c'est pas beaucoup. À qui? À Inker. Il nous demandait la dernière fois sur le site comment on faisait pour jouer. Ah bah écoutez, c'est très simple, pour pouvoir jouer, il y a différentes choses, il y a plusieurs techniques, il y a la technique pas d'enfant, pas de copine, pas de travail. Après tu rajoutes le facteur pas de douche, pas de repas. Ouais, alors ça Baron, ça j'y tiens d'un point d'honneur, comme j'aime jouer dans les bonnes conditions, c'est pour tuer du fion, merci. C'est plutôt toi intoxiqué. C'est ça. Il faut se respecter un peu quand même. Ça commence à être un peu le bordel. Ouais, mais il y a une bonne gestion du stress, j'ai remarqué. Mais ouais, pour revenir au scénario, le peu que j'avais vu quand j'y avais joué à l'époque, au début du jeu, quoi, c'était pas fantastique, quoi. On ouais. Pas Warframe pour le jeu, quoi. Alors, justement, c'est justement c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand le jeu a été lancé, c'est normal. On continue ou pas? On continue. Ouais. On continue. Eh ben allez. Alors, ce qui est intéressant avec ce souci, c'est vrai que le jeu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été construit comme une sorte de millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a eu la base qui a été lancée donc en 2014, si je dis pas de bêtises. Dis-moi si je me trompe, Christendal, mais je crois que je me sens que c'est 2014 le lancement. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Ouais. Et en effet, il n'y avait pas de scénario, c'était. Déjà, il n'y avait même pas de saut comme on peut le faire. C'était pas tout à fait inclus, il y avait des sauts, mais pas comme on fait, comme vous pouvez voir, faire des galipettes dans les airs de partout, comme un kéké. Ça c'était pas encore inclus. Et donc petit à petit, donc, ils ont inclus des nouvelles planètes, des nouvelles fonctionnalités. Et il y a je crois un an et demi peut-être deux, allez, vraiment je suis plus très sûr.
ils ont inclus un deux gros scénarios qui sont pas vraiment exceptionnels et en plus qui changent une partie du gameplay. Malheureusement je me suis un peu spoilé mais je ne vais pas en parler ici et qui a été assez fantastique franchement mais bon d'après ce que j'ai compris il faut bien une centaine d'heures avant d'y arriver au scénario. Peut-être un jour. Je propose qu'il se balade un peu sur la map pour que ça change un peu le décor et puis peut-être quelqu'un peut l'accompagner pour défendre avec lui. Bah après là non, allez-y, parce que toi, le truc à défendre c'est au milieu donc défendez plutôt. Ouais. Moi je vais me balader un peu pour montrer un peu la carte tranquillement, mais sûrement. T'as pas besoin que quelqu'un t'accompagne. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Donc alors, en sachant que il y a des sortes de bases de base avec des petits coffres à ouvrir. Avec dedans des munitions, ah bah on va terminer en plus donc il y avait plus grand monde. Ah voilà, là c'est un des coffres à ouvrir par exemple. Et donc des fois il y a. Ah, y a des... qui s'en va parce qu'il a pas assez de réseau. Bonne soirée, Ikikush. Eh oui, tout à fait, hein. Mais ça fait déjà 10 minutes qu'il a dit ça donc je pense qu'il est parti depuis très longtemps déjà. Ah zut. Ouais, donc ouais, possibilité. Ouais, c'est pas grave. Grosse possibilité donc de platforming on va dire hein. Vous pouvez faire vraiment des sauts millimétrés possibilité de sauter ben, sur les câbles qui permet de traverser donc le niveau de façon hyper rapide. Super intéressant et puis ben comme je dis entre les frames différentes avec leur pouvoir plus toutes les armes différentes, il y en a vraiment des marrantes avec des scies etc. Vraiment le jeu a une rejouabilité vraiment folle. Bah c'est précis quoi, c'est ouais. Enfin, c'est même c'est le sniper, donc moi j'aime pas trop normalement dans les jeux vidéo il est vraiment bon le sniper. Attention là, faut bien un peu défendre les enfants. Putain là, ça commence à faire un peu violent là. Oh là. Et ouais. Ça commence à faire un peu mal. Non mais ça va là, le truc tient un petit bien le coup quand même hein. On a presque tout joué à Dark Souls, ça va le faire, non. Faut détruire les trucs volants d'abord. Ouais, carrément, ouais. Ça c'est chiant, ça, parce que ça met des boucliers aux ennemis en fait. Et bouclier aux ennemis, ça fait des trucs vachement plus durs à tuer d'un seul coup. Ouais, mais attends, mais ouais. Le mec il a un niveau des ennemis a augmenté, ouais. Mais il y en a, il tire sur le sarcophage avec un bouclier, j'arrive pas à le casser et je trouve pas ce qu'il protège. Ah, ça je pense, c'est un truc de Nyx à mon avis. Je pense. Enfin de Kristendal, je ouais, pense. S'ils ont une sorte de liseré bleu autour d'eux, ouais. C'est que c'est moi qui les commande, on va dire. Mais c'est assez chelou. Okay. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que. Comment dire. Ça met un fantôme autour en fait, mais ils ont encore leur volonté propre, j'ai l'impression. Ah ouais, ils tirent pas sur les autres ennemis. Ils tirent pas sur les autres ennemis, mais. Il nous tire plus dur. Mais bon, ouais, j'ai pas. Ah, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, moi j'ai. J'ai 3 ou 4 frames. Non, j'ai 3 frames. J'ai. Enfin, un peu plus peut-être, mais j'en ai 2 level 30, je crois. Et en fait, bah, même au level 30, on sait toujours pas réellement maîtriser le personnage, quoi. Parce que les pouvoirs sont tellement compliqués à maîtriser, et puis surtout, je montrerai plus tard, il y a ce qu'on appelle les mods. Qui permet donc d'augmenter la puissance des pouvoirs, la portée, la durée et bien d'autres choses. Et donc on peut un peu créer aussi son personnage, sa version à soi du personnage. Il faut trouver la frame qui nous va bien aussi. Ouais, qui sont pas fait. Tous la même maniabilité, etc. Ouais, moi je voudrais je sais que je jouais pas mal avec Rhino qui permettait Rhino, ouais. De. C'est un gros tank Rhino, c'est cool. Ouais. Bon, lui-même, le jeu est très très riche, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le prendre en main. C'est pas tout de suite très intuitif, par contre. Ah oui, c'est vrai que ça, t'as tant raison, parce que c'est vrai que pour préciser, j'avais déjà dit dans la première vidéo, moi j'avais lancé le jeu la première fois fin 2016. Fin 2017 plutôt. Fin 2017, et j'avais fait la première mission, je dis ah ouais, sympa. Je suis arrivé dans le vaisseau, j'ai vu tous les menus, je fais ah, c'est moins sympa, je reviendrai plus tard. Et puis je suis revenu un an plus tard. Eh hey, grosso merdo quand même, c'est une interface qui est pensée clairement au départ pour PC. Pour PC, ouais, tout à fait. Ah ouais, complètement.
Après avoir, hein, là on va bientôt arriver à la vague 10. Est-ce que vous voulez continuer jusqu'à la vague 15? Est-ce qu'on tente le diable jusqu'à la vague 15? Moi je dis je suis pas contre, hein, on peut tenter. Hein. C'est chaud, hein. Franchement, on va tenter. Hein. Oh, bah, si vous êtes chaud, si on meurt, on meurt, hein, c'est pas grave, c'est pas comme si on était là pour gagner. Si on gagne, oui. Tant mieux, si on gagne pas. Bon. Après, moi franchement, il y a une frame qui m'intéresse vachement, c'est la celle qui est en ce moment qui est en prime. J'ai perdu son nom. C'est une sorte de Desperado en fait. Ça va être excellent à jouer quoi. Parce que entre temps, il crée de nouvelles frames en fait. Ah ouais, tout à fait. Tous les 6 mois à peu près, il y a une nouvelle frame qui débarque. Ah ouais. Ah ouais, ça continue à être. Non, mais c'est de la folie, hein. Puis c'est pas prêt dans le fil de finir. Hein. Et puis bon, continuer à mettre des scénarios, continuer à mettre des. Bah là. En effet, faut en parler de ça, en décembre est arrivé donc sur console, hein, je précise, Fortuna. Donc Fortuna, c'est la grosse extension qui rajoute un second monde ouvert. Parce que pour préciser, à la base, le jeu est sorti, ce sont des missions linéaires. Pas d'open world, il n'y a rien de tout ça, mais c'est des missions assez ouvertes en termes de terrain, mais c'est pas un open world. Et en 2017, ils ont lancé... si quelqu'un peut m'aider... Peut-être, j'ai perdu le nom. Autant vous le dire dans les commentaires, le nom de la planète sur Terre. Ouais, sur la Terre, mais je sais plus le nom. Hein. Je sais plus le nom de l'extension. Oui. Ah, je sais plus. Ah, t'y arrives là. Ouais. Bref, ils ont lancé un open world donc sur Terre, qui est plutôt intéressant avec en plus des boss haut level pour ceux qui ont des armes et des mobs et des mods haut level. Donc souvent, ce sont des ennemis tellement puissants qu'il faut au moins être 4 avec des personnages qui savent parfaitement manier leur frame. Et a été lancé donc en novembre sur PC et sur console, donc en décembre au moins sur Xbox One et sur PS4. Sur Switch ça met un peu de temps à arriver, ce qui est normal aussi. L'extension donc sur Vénus, donc Fortuna, et donc un open world aussi. Qui en plus rajoute un mode, une sorte de skateboard de l'espace pour se trimballer plus vite de lieu en lieu. C'est surtout que Fortuna, dans ce qui a été présenté un peu à un décollage à la Star Citizen, c'est-à-dire que tu pars de la surface de la planète et d'un coup tu décolles en temps réel, sans transition, sans temps de chargement. C'est vrai, après dans la stratosphère quoi. Je te coupe toute une scène, ça te dérange pas. En effet, c'est ça qu'ils l'ont présenté au moment de Fortuna, mais ça c'est un mode qui va arriver plus tard, ça c'est pas encore inclus dans le jeu. Ça s'appelle le mode Railjack, tu vas y arriver. Et c'est prévu, hein, 2019 ça va arriver là, mais ils sont en train de faire des tests, etc. Voir, parce que c'est quand même des gens, digital... Oh, terrible. Vas-y. On va avoir du mal à continuer là par expérience. On y arrivera pas. On s'extrait et on va faire une autre mission. Parce que là, ça devenait déjà trop difficile à la fin du. Ok. Ah, je comprends. Il vaudrait peut-être mieux à la limite prendre une mission où on se promène dans un niveau. Ouais. Ça on va sera faire moins rébarbatif. On va faire ça. Alors là, je suis level 17 moi. Moi je suis 16. Level 9. Je vais peut-être changer de Et j'ai le test niveau 6 maintenant. Ah oui, alors ça faut parler de ça. Je vous montre juste une seconde avant de lancer la prochaine mission. Parce qu'on n'a pas trop parlé la dernière fois dans la vidéo qu'on avait fait à Twinsen. Donc si vous me permettez juste 2-3 minutes pour que les gens comprennent certaines choses. Donc là vous voyez, si j'appuie sur Start, il y a à côté de mon nom un logo et un petit numéro. Donc en l'occurrence, moi c'est 5, Nekomiu 0 et Yuzo 1. Bon. Et Christelle Dahl 6. Donc ce sont ce qu'on appelle des paliers de maîtrise en fait. Ces paliers de maîtrise, à quoi ça va servir? Ça va servir à acheter, attendez, hop, dans le magasin, voilà, j'y suis, en fait, des armes. Parce que là, les armes qu'on voit dans armes principales par exemple, elles ont un niveau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là par exemple, vous voyez, verrouillage par maîtrise 10. Ça veut dire que cette arme, je n'y aurai pas accès tant que je n'aurai pas passé le palier 10. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais alors Igloo, t'es sympa, explique-nous tout, merde. Il n'y a pas de souci. Comment ça se débloque? Simplement, quand vous avez une frame ou une arme, quand vous la prenez, elle est level 1. Et plus vous allez jouer avec, plus elle va augmenter de level jusqu'au level 30. Une fois ce palier dépassé,
Ce qu'il faut et ce qu'il faut faire, hein, sinon vous n'avancerez jamais dans le jeu, c'est créer une nouvelle frame ou une nouvelle arme, qu'importe, hein, parce que c'est assez long de créer des frames, hein, c'est 72 heures si on paye pas. Donc ce qu'il faut, c'est créer des nouvelles armes et recommencer du level 1, pareil pour vos frames, au level 1 pour augmenter le level 30. Et ça augmente petit à petit donc ce palier de maîtrise qui va permettre d'obtenir donc des meilleures armes et du meilleur équipement. Donc ça, c'est le principe même du jeu en fait, hein. Sans ça il n'y a pas de jeu. Et je vais vous montrer aussi les mods donc qui sont juste ici. Donc vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de mods, on peut donc les... bien sûr les classer hein, selon les besoins. Voilà, ça c'est pour celle des armures, ça c'est pour l'aura, c'est pour les armes principales, les secondaires, les mêlées, etc. Bref, vous avez compris, vous êtes pas bête. Et pour améliorer les mods, pardon, je vais prendre, je sais pas moi, un mode, c'est juste pour vous montrer, un mode quand même qui m'intéresse, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai dans les mods qui peut m'intéresser? Voilà, efficacité du pouvoir. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez mettre. Alors attendez, comment ça fusionner dans le mode. Faut que j'essaie de me souvenir. Non, c'est pas comme ça. Ah, 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 je suis bon malin, mais je me souviens plus comment on fait pour améliorer ces modes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc après, on peut l'améliorer avec donc de l'argent du jeu et un autre objet, je sais plus le nom malheureusement, par contre je crois que c'est les Edo, un truc comme ça. Tu te souviens, Christendal, pour améliorer les mods? Les Endo, je crois, c'est les Endo. Donc voilà, vous voyez là, pour augmenter le mod du level 0 au level 1, ça me coûte 1449 d'argent et 30 Endo. Et plus on augmente, plus bien sûr, vous voyez, je vais passer de efficacité du bouclier de 5% à 30%. Par contre, ça va me coûter 930 de endo et 44000 d'argent. Voilà, ça c'est ce qu'on a pas pu vous montrer la dernière fois. Donc là, je vous le montre rapidement, mais je pense que vous avez compris la chose. Voilà, bah, écoutez, merci à tout le monde, et puis passez une bonne journée. Allez, au revoir. Allez, on va lancer une mission. Je voulais juste voir un truc. Excusez-moi. Ah non, je ferai hors live. Ça va être chiant parce que ça marche. Voilà. Hop. Augmentation du palier, ça je le ferai plus tard aussi. Navigation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mission sympa? Espionnage. À 4, ça va être un sacré bordel d'espionnage. Si on se faisait une mission de... Ah, pour tuer un boss, pourquoi pas, tiens. Allez. Tuer un boss, c'est le point, vous n'avez pas encore accès, vous. Mais normalement, c'est pas un trop haut niveau. Juste que je me rappelle... Si on se met un temps derrière, c'est pas grave. Non, ça va le faire, t'inquiète. Galiléa, non. Accès sur Carpo, extermination. Ouais, écoutez, on va tester pour celle-ci. Dire bonjour aux nouveaux spectateurs, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et à faire un petit coucou. Ah, tout à fait. Donc on va essayer Carpo. Je sais pas si c'est un boss, franchement je sais plus, mais on va essayer, c'est une extermination. Donc globalement, une mission extermination, c'est qu'on a des ennemis à tuer dans un niveau, un nombre d'ennemis spécifié. Donc on se bat dans le niveau tranquillement tout en dégommant du mob. Et donc elle est level 17-19, accrochez-vous les enfants. Mais ça va passer. Ouh, ça va passer. Et puis ça passe pas, bah c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Un vrai boys band. To be free or not to be. Oui, non mais non. Bon alors, pour ceux qui se demandent, hein, Neko Miu, s'il est là, c'est parce qu'on doit remplir les quotas en fait. Hein, voilà. Théo. Vous êtes juste jaloux parce que mon frame c'est le plus joli, hein. Regardez cette magnifique couleur rose à trop vert. Ah, c'est le meilleur. C'est le meilleur, enfant, j'en suis jaloux, hein. Ah, vous savez qui c'est qui vient de se connecter là? Bondex. Aïe. Bonjour Bondex. Bonjour Bondex. Bonjour. Donc là vous voyez, on a 85 ennemis à tuer, donc bah écoutez, on est parti, hein. On va pas attendre. Alors ouais, on a ces sortes de caméras qui nous repèrent et qui ferment des fois les portes. Et donc il y a des petits trucs à pirater, pas tout le temps, hein, mais parfois. Salut à toi Blondex, salut. Ah ouais, alors j'ai besoin d'un coéquipier pour ouvrir la porte, excuse-moi, je t'avais... Guzo, je suis déjà en bas. Ouais. Ah, déjà, ok.
Hop, non, c'est pas cette tente. Ton ex, hein, tu dois, investir dans tout, Warframe, hein, dès que ce sera dispo sur Switch, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Ah, il est déjà en bas, putain, on est paumé là. Faire une contre-vidéo avec Jumpman, hein. Ah oui, t'es descendu par l'escalier, tu as bien fait, Christendal. Bon, moi je surveille notre petit Neko Miyu, hein. Tu m'as fait quelqu'un garde, hein. Eh oh, je n'ai pas fait tout seul. Faut bien qu'il y ait quelqu'un garde, hein, le petit. Je sens que tu es un enfant plus entier. C'est notre Gorky à nous. Oh, ah, merde, oh le salaud, il est parti tout seul avec l'ascenseur. C'est... J'ai vu la porte en devant ma gueule. Kirstendal, il est de droite, hein. C'est Neko qui a fermé la porte de l'ascenseur. Voilà, qui c'est qu'on attend? Igloo. Quoi? Comment ça? Bah attends, y'a des mecs qui a dégommé, hein. Moi je suis là, hein. Ah merde. Ah oui, putain, mais ça servait à rien en fait. Il est en train de se faire vendre bambou, le petit jeune. Allez, on va aller de l'endo, exactement, c'est ça. C'est pour être sûr 100%. Donc là, vous voyez, hop, un petit moment, un petit truc de piratage tranquillou. Bilou. Donc, ouais, ça réinitialise l'alarme en fait, simplement. Ça veut dire qu'il y a moins d'ennemis. Heureusement qu'il y a tonton Kirstendal, hein, qui nous pète les caméras et tout. Hein. Parce qu'avec notre petit niveau là, on ferait pas les mains, Neko Miyu et moi là. Oh. On rajoute juste la. Ah si, enfin disons que ce serait que le talent quoi, mais du coup les deux autres ils se sentaient un peu bêtes. Quoi. J'attends le talent, vas-y, on te laisse faire, y'a pas de soucis. Ouais, ouais, ça va. Si on sent le truc, vas-y, pars devant, t'inquiète, pour nous, chemin. Ah, je croyais que t'étais plus par derrière, toi, tout petit. Néo. Alors non, hein, tu manques un petit peu de boobs. Et on a toujours pas visité le vaisseau de Neko Miyu, hein. Faudra quand même qu'on monte. Mais je pense qu'il a pas avancé dans le jeu, assez avancé dans le jeu. De toute façon, il est M-level 0 de maîtrise pour qu'on aille dans son vaisseau. Si, si, il m'a déjà invité. Non, tu m'as invité, mais chez toi physiquement, tu vas pas invité dans ton vaisseau. Ouais. Oh, mais Richard, je l'avais invité dans mon vaisseau. Enfin, qui c'est un dame. Ouais. Ah ouais. D'accord, et bah écoutez, on revérifiera après. Après la fin de la mission, parce que voilà. Va pas être très longue la mission de toute façon. Hein. Parce que vous étiez déjà dans mon vaisseau, peut-être, c'est pas impossible, je sais pas. Non mais franchement, mais comment tu veux que je me concentre avec la couleur de ce mec? Il est en rouge, en talon orange, vert là, c'est, ils nous vendent du rêve là. Bon, faut vraiment que je crée des nouvelles armes, c'est terrible là. Petite pensée à tous les daltoniens, tout ça. Mais t'as raison. Merde, je me suis foutu en l'air. Hop. Donc là, Igloo, est-ce que tu veux faire le topo? Parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu le fil de ce qu'il faut faire. Bah, c'est la cool, c'est la mission extermination. On peut voir donc sur la gauche ennemi tué. Donc voilà, on se bat dans le niveau en tuant tout le monde, tout simplement. C'est fin, ça se mange sans fin. Ah, moi je préfère survie. Survie, mais survie, je sais pas s'ils sont prêts les deux. Monsieur. Ouais, mais on est là pour les aider. Ok, on bon va les ridiculiser. Les survie la prochaine fois alors. On va se marier. Ça va se prendre chaud, sa maman. Hein. Bah c'est des vagues. Donc ça. En fait, c'est des vagues ennemies et en fait il faut. En fait, t'as un temps où faut mettre des balises de survie, il faut les activer. Et en même temps, plus tu tues d'ennemis plus rapidement, plus t'as des ennemis qui lâchent des points de survie simplement à récupérer aussi. Ouais, donc Kirstendal, il a pas le même rapport à la difficulté, mais qui joue à Call of Duty, je vous rappelle, hein. Allez, la mission est finie, on se casse. Vous pouvez pas faire des papa. Pirouettes cacahuètes, ça va plus vite avec. Oui, papa, on te suit, papa. Il y en a, ils vont se dire oh là là, mais il est aussi con que sur forum en vrai, hein. Allez, on est parti. Je vais changer mon pseudo, je vais mettre Twinsen de Benny. Ah, Neko Miyu. On peut voir que t'as fait beaucoup de dégâts. Merci de ta présence. J'ai fait plein de dégâts, moi. Ouais, 4%. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on gagne plus de XP quand on est à plusieurs. Bon, ah, c'est pas possible. Il a pas encore compris le sens du sarcasme, tu vois, parce que là, il voit pas le beau 4% qu'il a mis. Non, mais là je te charrie parce que déjà j'ai une arme level 30 en plus version Prime, donc elle est surpuissante.
qui est normalement palier 10 ou 12, donc normalement je devrais même pas avoir accès. On remercie Amazon Prime et mes 60 euros dépensés par an pour avoir accès à ces termes. Attends, je vais, en parlant de Prime, je vais changer, tiens, je vais profiter. Attends, là vous voulez mettre la mission plus difficile, c'est ça? Ouais, vas-y, écoutez. Non, mais non, parce que mon autre Prime elle est moins forte, alors du coup je vais garder celle-là. Bah, justement, je suis en train de regarder ce que je peux mettre moi en frame. Est-ce que je change que les level 10, mais bon, on peut faire, on est pas obligé de faire un truc super élevé non plus. Hein. C'est vrai que j'ai Volt, j'ai Excalibur. Non, mais je vais rester sur le boss, du coup. Ah oui, alors le boss. Écoutez, on peut tenter survie si ça se passe mal. Attends. Avant toute chose, la plus importante, le moment très important de cette vidéo. Ah oui. Nous devons tous aller sur le vaisseau de Neko Mio. Alors vas-y, essaye, ouais, Neko. Ouais. Ah mais j'arrive pas à vous faire entrer dans mon vaisseau, ça m'est juste montré profil qui est muet, c'est tout. Ça c'est dingue, ça. Bah ouais. C'est bizarre. Est-ce que par exemple Christendal, toi t'y arrives ou pas à montrer profil muet et inviter dans l'orbiteur? Alors attends. Voir si c'est un problème lié à son niveau peut-être de palier, ou si c'est lié à le fait que ce soit moi le chef de l'escouade, je sais pas. Ben moi je peux pas le faire, donc c'est peut-être en rapport avec le fait que t'es chef de l'escouade. Ouais, c'est vrai que ouais, mais c'est bizarre quand même. Ah, tu peux pas toi Christendal? La dernière fois on avait réussi à le faire. Bah au pire invite-nous, hein. Nous moi je quitte la partie, on a pour deux secondes, hein. Tu invites tout le monde dans à droite, c'est à inviter et puis voilà, hein. On se rend pas la tête. Voilà, bah allez go, moi je quitte la partie, vous me saoulez de toute façon, quittez les squads, hop. Bon bah voilà. mais nous-mêmes on peut le rejoindre. Ah oui. Une fois qu'on a quitté les squads, on peut le rejoindre, c'est plus rapide. Alors, comment on fait? Alors vas-y, alors là tu vas me prendre un truc. Du coup tu vas dans les options, tu fais communication. Options, communication. Ami. Okay. Ah attends, communication, ok, ouais, ami, ok. Et du coup tu vas sur la personne qui t'intéresse, donc ouais. Neko, rejoins la session, ok. Et du coup on est dans son escouade. Moi j'ai pas quitté, donc je peux même pas le rejoindre. Comment vous avez fait pour quitter les squads? Attends, t'es dedans là, c'est bon, hein. T'inquiète pas, bah. En fait t'as quitté automatiquement en fait, quand y'a plus personne. J'ai Iglo, j'ai Christendal, mais j'étais pas encore toi, ouais. Si Gizo, je le vois maintenant, il est dans les squads là. Ah oui, moi je peux. Bah non, je peux plus inviter dans le machin maintenant, ouais, exact. Alors vas-y, invite-nous, Neko Mio. D'ailleurs, c'est magnifique, c'est beau, c'est ça vend du poney. Ah mais moi je... En fait, ça ressemble beaucoup à chez Neko Mio, hein, il faut savoir. Hein. Mais comment ça? Ça sent sexe, c'est ça? Ouais, alors, un petit peu. Ça... c'est très happy, tu vas voir, comme... Alors, hippie n'est pas le mot que j'aurais dit, quand même, hein. C'est... Oh là 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 là. Oh my. Attendez, j'ai peur de me tourner. Hein. Attendez, tournez doucement. Oh là là. Ah ouais. Non mais c'est flashy, hein. Je vais te dire un truc, Neko. Je vais te dire un truc. Servant de malade pour arriver à un goût pareil, quoi. Non mais attendez, moi je comprends. Je vais te dire un truc, Neko. La vérité, toute la vérité sur Igloo aujourd'hui, ce soir. À 21h15 sur ma chaîne, n'oubliez pas, j'ai le Tipeee aussi, vous pouvez donner de l'argent pour plus de secrets. C'est son coming out, attention. J'avais un vaisseau pas très loin, il y avait un peu plus de rouge, je crois, à un moment. Non mais tu vois, c'est un vaisseau, c'est pour inviter des filles. Mais bien sûr, mais ça ne peut pas comprendre. Elles viennent, elles se sentent à l'aise, elles voient qu'elles ont des couleurs princesses. Ouais. Ah oui, là, elles se sentent complètement rassurées, là, oh là là. Ah, c'est ambiance que les moustaches ton vaisseau, hein. C'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà, quel grand moment. Je pense qu'une boîte échangiste, c'est pareil, hein. C'est la même, t'as les mêmes couleurs. Alors, on voit, je crois qu'on est 4 spectateurs, donc il y a moi, il y a Twinsen dessus, je suppose. S'il y en a d'autres, des autres personnes, n'hésitez pas à... T'es dessus aussi? Ouais, il me semble que j'étais dessus, moi. Ok, bon, en cas, s'il y a une personne ou deux, n'hésitez pas à parler. Mais là, je pense qu'il y a Blondex avec son respirateur, là, qui se remet de ce qu'il vient de voir, là. Il y a respirateur. N'hésite pas, Blondex, si t'as des questions, si tu dis ouais, non, mais les gars, postez pas sur le gameforever.fr. C'est qui Power Ranger Rose? Le Power Ranger Rose, c'est Neko. Et là, il est magnifique. Attends, bouge pas trop. Attends, je vais faire une pause pour Ranger. Vas-y, allez. Non, c'était la caisse, c'était une arnaque, si on veut garder le. Oh, il est magnifique, il refait ses lacets. Waouh!
Les enfants sont regardés le découpage par heure. Il faut quand même qu'on a encore un quart d'heure de vidéo là. Un quart de vidéo, et ben on va essayer de se taper un boss. Go. Allez, go. Je retourne dans mon orbiteur. Hop, je suis obligé. Pense à la mission. Alors, le Power Rangers Rose, hein, c'est Neko Mio, forcément, un Londex, hein, tu t'en doutes. Voilà. Vous ne comprenez pas, c'est avant-gardiste. C'est... Ah non, il a l'air plutôt fuchsia. Alors là, ouais, je vois que toi, t'es ouais, Blondex, toi, t'es ok. Toi, t'es genre personne comme ça, fuchsia, quoi. Ok, il est très puissant. Allez, on va lancer. Alors, le problème, c'est que j'essaie de me souvenir où sont les boss. Excusez-moi de mon, mais je suis un professionnel, hein, je vais trouver ça. Il n'y a pas de souci, c'est toute ma vie le streaming. Remboursé. Je me mets derrière les commis là. Iris, sur Iris. Ah mais bah, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu te souviens d'être Kristendal d'un niveau boss pas trop dur? Parce que normalement il y en a un, on récupère justement Rino, tu sais, c'est une sorte de boss araignée, mais j'arrive plus à me souvenir où c'est. Non. Ah oh là 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 là. Bah écoutez, on va finir sur une survie qu'on fait. On va survie capture. Défense, espionnage, interception. Alors je suis désolé, hein, je suis un sabotage, je les connais pas par cœur les missions. Ah oui, juste pour revenir sur l'open world, l'extension s'appelait les Plains d'Aide de Loin. Voilà. Tout simplement. Extermination, Vénus. Capture. Ah, c'est vrai que ça s'amuse hein, pendant que moi je suis en train de galérer à sauver, à trouver une survie. Par, les couleurs de ces vaisseaux là, je te jure. Wow, mais j'avoue que tu veux ça chez toi, que t'as envie de cette belle fille. Putain, je trouve pas une survie, c'est dingue. Les salles annexes quand même, c'est un peu dommage. Espionnage, oui bah en fait le problème c'est que je les ai pas encore, moi j'ai pas trop, j'ai pas encore comment on fait pour les feux croisés, je sais même pas ce que c'est, capture, putain mais c'est dingue ça. Sauvetage, oh mais c'est pas vrai. Extermination, putain mais pourtant il y en a de la survie quand même, défense. Espionnage, interception, en dessous de ma gueule. Ah ça y est, j'ai trouvé un boss. Bon bah go pour le boss alors. Yo. Allez. C'est le Capitaine Vore, autant dire que c'est le tout premier boss du jeu, ça va être... Faut nous inviter dans ton escouade. Ah oui, bah rejoignez-moi. Vous pouvez pas? D'accord, bon. Moi je vais le faire. Hop. Est-ce qu'on peut... Bah attendez, maintenant que je sais comment on voit pour les boss, je vais peut-être prendre un boss un peu plus... Ah, parce plus qu'on costaud. Va le fracturer lui. Bah ouais, c'est pour ça, on va le plier. Je vais prendre quelque chose d'autre rapidement, vite sur Mars par exemple. Tous les squads. Ulter, oh, il est un peu chiant lui. J'arrive pas à rejoindre Igloo, du coup je quitte les squads pour voir si je peux plus le rejoindre. Peut-être que quand il est sur la carte, on peut pas rejoindre. Ah peut-être, mais t'as pas encore lancé la mission. Non, bah attends, je vais vous inviter, ce sera plus simple, c'est pas grave. Ouais. Hop. Ouais, c'était ça. Je vois, je dans votre t'es sur la map, on peut pas trop. Ok. Rejoindre. C'est pour ça. Ah, alors. Ah, tu peux m'envoyer, j'étais dans le menu, j'ai appuyé sur rond. Ah là 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 là. Alors attendez, merde, faut que je change le menu, bien sûr. Bravo. C'est du propre. Ah, vous êtes pas, on est des professionnels, hein. Ça va bien se passer. J'en peux plus, là. J'ai même pas envie de toucher le sol là, dans ce vaisseau, vite, laissez-moi sortir. Ça je te l'ai envoyé Guizot, t'as reçu, c'est bon? Non, vous m'avez laissé tout seul avec lui la bande de... Ah merde, mais concentre-toi plutôt. Non mais dépêchez-vous là avant qu'il... Et je te l'ai envoyé deux fois déjà. Ah ben je l'ai pas là. Ah il c'est bon. Ah, j'allais dire, il se fout de ma gueule hein. On se fout de ma gueule dans ce jeu. Alors attends, je vais essayer de trouver un boss un peu plus puissant quand même. Peut-être sur Phobos. Ah j'ai accès à Phobos? Ouais j'ai accès. Ah bah voilà, assassinat, le sergent, voilà. Un boss level 13-15, ça me paraît pas mal. Allez, yes. Et on est parti. Est-ce que c'est pareil quand t'as ton permis au bout du deuxième jour? Un peu de ça, ouais. Non, j'en profite pour dire, il y en a un là, je l'entends avec son messenger. Là. Il mettrait quasiment 20 à couper que c'est Neko Miu s'il veut pas couper.
Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est pas ton portable qu'on entend sonner avec non, non, les hommes qui envoient des messages érotiques. Au pire, ouais. Non, non, j'ai bu un coup, donc c'est tout, ça s'arrête là. Excusez-moi de, okay. de vivre. Excuse-moi. On te permet pas, s'il te plaît. Tu joues. Alors là, donc c'est mission extermination, donc le but c'est de tuer, surtout mettre un seul ennemi. Bon, là, on va dégommer tout le monde pour le pour la beauté du geste. Voilà, mais on n'est pas obligé, hein, en sachant que ce sont donc les boss qui lâchent les schémas qu'il faut pour construire les frames. Donc qui sont en quatre parties, hein, donc le buste, le casque, le schéma général et je sais plus, c'est le système, voilà, le système nerveux de la frame. Donc il faut farmer jusqu'à qu'on ait ces quatre schémas. Par la suite, il faut avoir accès aussi à tous les objets que nous demande le jeu afin de créer la frame. Et après, il y a 72 heures à attendre, hein, rien que ça, mais c'est pas grave, le jeu est déjà bien assez rempli, il y a de quoi faire. Attends les autres là, parce que là... Ah, moi je suis en train de couper des alarmes là. Attends, ok, je trouve que vous êtes là, ce que vous avez perdu. Ok. Ah, ok, j'en retrouvé un. C'est moi. Et donc, pour me dire ça, donc, ouais, comme c'est un jeu de farm, eh ben, le jeu nous permet quand même d'avancer ultra rapidement vers le boss si on le souhaite. Tout le monde est là? Allez go, on se casse. Allez, information comme dans Firefox, c'est du Blondex. Putain, ils sont quand même très cool. On va devoir me dire. Ah bah écoutez, Blondex, si tu parles, je pourrais pas te voir, donc c'est Twinsen qui va prendre le relais. Parce que mon portable vient de s'éteindre, voilà. Voilà, Kersendal est en train de nous protéger. Je profite de ce petit moment de calme pour inviter bien sûr les spectateurs présents aux coupures à aller faire un tour sur le site gameforever.fr. Ouais. Où vous pouvez retrouver notre quatuor sévir à travers moult avis et différentes et activités diverses. Tout à fait, on en reparlera plus rapidement à la fin du live. On refera un petit point à gameforever.fr. Le Tipeee, tout ça. Le Tipeee, Igloo surtout, hein, les autres, c'est pas très intéressant. Le Tipeee d'or. C'est oui, juste voilà. Une carte de capture. Tout est bien sûr, tout l'argent voilà. Va être remis dans les lives, hein, bien sûr. Voilà. Campagne Michi pour financer une carte de capture pour Igloo. C'est vrai, c'est parfait. Voilà, qui je le rappelle doit toujours nous produire une vidéo avec RetroKid, c'est un autre membre du site. Sur Smash Bros, tout à fait. Exact, mais ça va arriver. Hein, j'attends personnellement incessamment. Vous savez ce qu'on dit, hein, plus on attend, mieux c'est quoi. Le plaisir est décuplé. Et donc bah, vous voyez, le boss est donc à 380 mètres, on va pas tarder à y arriver. Ça va trancher chérie. Et hop, tous dans l'ascenseur. Qui est qu'on attend encore? Je vois que je mène de niveau quand même, parce que maintenant je ramasse de plus en plus d'items quand elles sont butées par les ennemis. Allez, j'arrive. Hop, me voilà. Oh Neko. Bon, attendez, bon bah écoute, t'as pas l'ascenseur, hein? Oh bah zut, on descendait s'il vous plaît. Bon on t'attend dans la salle juste au-dessus, t'inquiète pas. Vous voyez quand même le handicap qu'on a, hein. Oh, attendez, j'arrive, hein. On t'attend, t'inquiète. Le mec qui s'est fait défoncer par l'ascenseur, quoi. Bon, j'ai récupéré le Neko Mew, je vous l'amène. Parfait. Ah non, merde, c'est pas... Allez Neko, fais-nous un joli saut là. Hop, un joli saut. Allez, comme j'ai fait. Allez. Avec L... Tu glisses, L1, tu ressautes et moi tu te fous en l'air comme moi. Ouais, L1 et X en même temps. Hop, voilà, c'est bon, c'est passé cette fois-ci. Oh, magnifique. Ah, fais attention. Oh, il t'excite. Ah, c'est Guzo, excuse-moi, j'avais pas fait attention. Attends, il est en train de toucher au... Non, mais attends, il a quand même des couleurs suffisamment personnalisées pour qu'on puisse la reconnaître, le mec.
Ah mais ça va vite, le jeu va vite. Je suis fatigué. Merde, on est en train de descendre, c'est pas le but, non ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, faut pas descendre, faut remonter, là. Ouais, vous êtes pas... Là, vous avez repris l'ascenseur. Il faut remonter. Attends, on va attendre pour le boss, quand même. Allez, viens, viens, remonte. Viens, viens. On va rejoindre les deux papas, là. Où est-ce que vous êtes, là, les enfants ? Alors, c'est la salle où t'étais, on était en haut, là. C'est là où je t'ai dit, saute. En fait, faut prendre la plateforme au milieu. Tu vas tout droit et tu vas me trouver. Ok. Au pire, attendez, je vais vous chercher sinon. Hein... Ah, c'est, ils arrivent. Non, là, on est là, les enfants, on est là. Ouais, mais c'est bon, il y a quand même un gros truc jaune. Oui, bah oui, c'est sûr, ça s'est bien vu avec vous. Hein. Franchement, vous n'êtes pas du tout paumé. Il y a la Neko. Ah, ça, c'est méchant par contre. Là, je pense que c'est méchant. Ouais, c'est très méchant. Vous avez le droit de nos années. Hein. Pas de soucis, ça. Oh putain, mais rentre! Ouais, c'est trop tentant! Ça me déconne pas! Oh, c'est du bizutage! Pour tout dire, j'en ai goûté, c'est mal goupillé ce que je voulais faire aussi à Guizou qui est rentré dedans à la dernière seconde, quoi! Tu es une petite salopette! Et voilà, la vidéo pourra plus être monétisée maintenant, c'est mon gros mot! Et donc voilà, non, mais pas de soucis, attention, y a un Tipeee pour ça! Donc oui, il y a le boss, c'est lui, donc il disparaît, il va réapparaître dans quelques secondes et le but bah, c'est de le dégommer dès qu'il va réapparaître sur nos radars. Qui c'est qui est mort là ? Personne n'est mort. En fait c'est le boss, en fait, il disparaît, et en fait voilà, il réapparaît avec le truc rouge. Et là il faut le dégommer. Voilà. Voilà, il est dead. Hop. Ça a été du bien caractérisé aussi. Ah mais ça c'était le boss ça. Ouais bah alors comme je dis là normalement j'ai une arme qui est pas... Elle est pas très legit à ce niveau là en fait hein, donc Effectivement. Donc on arrive au bout de cette première heure de jeu les enfants. Ouais bah de toute façon là on va faire une coupure, on va voir si on continue notre vidéo, si on arrête là Voilà. Est-ce que Bandex a pris déjà la migraine ou est-ce qu'on continue? Voilà, de toute façon en tout cas on va quand même couper pour faire une petite pause de 5-10 minutes grand maxi, minutes. Voilà 5 minutes sur le parcours. Je ferai bien de la survie. Aïe, il veut sa survie. De toute façon, en tous les cas, on en fera avec ou sans live. Ça c'est sûr, mais voilà. Y'a pas de soucis. En plus, là, oui, alors Twinsen, faut que je te parle après en privé justement d'un truc. Comme bande de coquins. Non, mais vous pouvez être là aussi, hein, mais c'est un truc qui concernera de Red Dead Redemption. C'est lui, Kersengal, il vient aussi de suite là. Allez, venez, on se casse du niveau. Ça, on va finir. Hop, suivez le point vert. Donc, merci d'avoir suivi cette première vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour ouais, une nouvelle partie. Exactement, voilà, petite pause. Profitez-en pour aller faire un tour sur gameforever.fr pendant qu'on se prépare pour la suite. C'est ça. Hop, voilà. Allez, écoutez, à tout de suite.